Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'offre tes cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un panneau ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite, #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo EpicGamesPS4 dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTech. Je te souhaite une bonne chance, c'est une bonne vidéo. Ouais, tout le monde, c'est FinTech, j'espère que vous allez bien. Bien écouté, pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre en miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Je vous invite aussi à poser un petit pouce bleu, cela me fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre, aujourd'hui, simplement vous présenter comment payer ces V-Bucks vraiment moins cher. Alors, ce tuto fonctionne uniquement pour les joueurs qui possèdent une Xbox, bon, juste commencer maintenant. Alors, première étape, vous allez vous rendre dans le premier lien qui sera mis en description. Et là, ça va tout simplement vous remettre sur le site Xbox Store Checker. Si vous ne trouvez pas le lien, je vous invite à écrire sur Google Xbox Store Checker. Une fois là venu, vous allez voir FinGame DLC. Là, vous allez écrire Fortnite. Après vous allez rentrer et là tout simplement vous allez voir 1000 V-Bucks, 13500 V-Bucks, 5000 V-Bucks, 2800 V-Bucks. Exemple, moi je sélectionne 1000 V-Bucks, j'ai fait Save Price. J'attends quelques secondes et là tout simplement j'ai tous les prix de tous les pays différents. Exemple, en Turquie ça coûte 3€ pour le prix de 1000 V-Bucks. Exemple, là je fais View. Ça me ramène sur le Xbox Microsoft et du coup c'est vraiment très important, vous allez cliquer ici. Turquie et là tout simplement vous allez avoir le site 1000 Papel, ça s'appelle comme ça, et du coup là tout simplement vous allez faire, vous allez ouvrir encore une fois une deuxième fenêtre du Xbox Store Checker et là tout simplement vous allez revenir là et là vous allez cliquer sur Xbox Live Cards et là tout simplement vous allez voir, exemple vous allez prendre la valeur que vous avez pris turc, du coup c'est 3,41€ et là vous allez voir là MTC Game, vous allez cliquer dessus. Et tout simplement, vous allez voir si vous avez trouvé la carte d'une valeur de plus de 3€ du coup en Turquie. Je sais pas ça fait combien. Comme vous pouvez le voir ici, malheureusement, il n'y a pas de carte. Alors, je sélectionne un autre pays. Exemple, au Brésil, ça coûte 4€ pour 1000 V-Bucks. Du coup, ça me ramène encore une fois sur le site de Xbox. J'ai fait Brésil, Portugais, Cal. Et là, tout simplement, 1000 V-Bucks pour 25 $. Et du coup, là, je reviens sur l'Xbox Store Checker. Je clique sur exemple Judesa. Malheureusement, Judesa, le lien ne fonctionne pas. Du coup, on va partir à l'écrire Judesa en dessus. Et là, j'écris carte Xbox Brésil. Du coup, je clique sur entrée. Et là, tout simplement, il y aura toutes les cartes de tous les valeurs. Exemple, là, pour bien voir une valeur de 30€ les cartes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est même pas 10€, 5€. Alors on va chercher ça. Du coup ici on a la carte de la valeur. On revient sur le site. Ça coûte 25 RS. On doit trouver une carte d'une plus grosse valeur. Exemple, je prends la carte qui coûte 40 BRL. Et là je fais ajouter au panier. Du coup une fois venu dans le panier, vous pouvez bien voir la valeur 9 USD. Et là je vais simplement continuer shopping. J'attends le petit chargement. Du coup ici il y aura tous les moyens de paiement. Vous pouvez sélectionner par PSF carte, PayPal, par carte de crédit. Du coup tout simplement je vais passer au paiement. On se retrouve juste maintenant. Du coup tout simplement là je vais passer au paiement. Et là je fais ça OK. J'attends le chargement. Du coup ça me ramène ici. Là je fais ça en mode OK. Et du coup tout simplement il y aura les codes qui vont apparaître. Je copie les codes. Je reviens sur le site pour acheter les 1000 V-Bucks. Là je fais comprar. Et là, tout simplement, ça va me connecter à votre compte Xbox Live. Du coup, là, je rentre mon mot de passe. Et là, je fais entrer. Et du coup, tout simplement, je reste sur le store. Et là, tout simplement, je fais restante. Là, je mets
Du coup ici je rentre ça et là je mets enregistrer une autre carte cadeau puisque j'avais déjà fait ça juste avant. Du coup là vous rentrez la carte cadeau que vous avez ajoutée, vous faites avancer et là vous faites confirmer erreur. Vous attendez le petit chargement. Du coup simplement on peut bien voir mon solde, il coûte 42 dollars brésiliens. Du coup je fais comprendre. J'attends encore une fois le chargement. Et tout simplement ça m'a bien acheté les V-Bucks. Tout simplement je veux bien vous montrer que j'ai bien obtenu les V-Bucks. Du coup je pars dans mon compte historique des paiements, historique des commandes. J'attends le petit chargement. Et tout simplement vous pouvez bien voir là, j'ai ajouté 40 dollars brésiliens et j'ai payé la carte 1000 V-Bucks pour 21, pour même pas 6 euros 5 euros. Du coup j'ai payé la carte je pense 8 USD, en euros ça fait même pas 6 euros. Du coup maintenant on se retrouve sur Fortnite pour vous montrer que j'ai bien obtenu tous les V-Bucks. Une fois que vous avez changé les codes et tout ça fait sur le Microsoft, là vous allez ouvrir votre Xbox et vous allez simplement vous connecter à Fortnite. Du coup là je lance Fortnite et là tout simplement on peut bien voir les objets que vous avez achetés vous attendent, la petite notification qui apparaît juste en haut. Et là tout simplement j'obtiens mes 1000 V-Bucks pour le prix de même pas 5 euros, c'est vraiment incroyable, 3 euros 5 euros. Alors je vous invite vraiment à tous vous abonner à la chaîne YouTube Code Créateur Fintech SBE dans la boutique Fortnite. Et bien sûr on n'oublie pas la petite abonnement plus la cloche de notification. J'espère vraiment que cette petite vidéo sur un petit tuto pour obtenir des V-Bucks vraiment pas cher du tout sur Xbox vous aura plu. C'était Fintech, allez ciao tout le monde.